Wesh la MIF, CBRH, mode carrière, PSG, épisode 21. C'est parti. Donc les gars, on va directement aller voir le calendrier, voir ce qui nous attend pour cet épisode. Donc là, match face à Nantes. Ensuite, match face à Villarreal. Ensuite, on affronte Dijon. Ensuite, Guingamp. Donc déjà ces 4 matchs là, on va sûrement simuler 2. Ensuite Villarreal, c'est le retour hein. Ensuite Bastia, Montpellier, OM, ouais. Donc il y a pas mal de matchs de championnat. Donc la LDC, on a juste Villarreal. Je pense qu'il y a peut-être un match qui peut se caler ici, entre ça ou entre ça. Enfin en tout cas en avril, à voir. Donc nous en tout cas là, on va faire le premier match face à Nantes. On va faire jouer une équipe vraiment amoindrie. On va essayer de tenir la baraque pour reposer vraiment les titulaires face à Villarreal. C'est très très important pour la suite de la compétition. Et pour le reste, on va en simuler sûrement celui-là, voir les deux autres, je sais pas. Donc pour l'instant les gars, on est premier du classement championnat. Par contre nos joueurs sont assez fatigués pour la plupart. Donc va falloir beaucoup de repos. Bon là ça va, ils ont bien soufflé. Il y avait pas mal de matchs sur l'épisode précédent, vous vous souvenez. La plupart étaient KO, mais va falloir quand même reposer les plus importants. Donc nous on va partir sur un 4-1-4-1, dispositif qui me semble assez adapté par rapport à ce moment de fatigue. Vous vous souvenez, la saison dernière on n'avait pas pu maîtriser la fatigue des joueurs et ça nous a coûté très très cher. Élimination en Coupe de la Ligue, élimination Coupe Nationale, deuxième ou troisième du championnat, je sais plus. Donc voilà, c'était pas bon du tout, enfin par rapport à nos objectifs. Donc là on va corriger le tir. Donc Dybala on le laisse sur le banc. Mahrez, regardez, un peu fatigué encore, on le laisse sur le banc. Laporte, on le laisse sur le banc. Bonucci, Marquinhos. Bon, pour ce qui est du reste, on va faire souffler aussi les gars. Qui on va faire souffler? On va faire souffler Alaba. Alaba qui joue quasi tous les matchs. Donc on va mettre Schaffer. Ouais, voir un peu peut-être même, je sais pas. Pourquoi pas peut-être Kimpembe. Ouais, allez, Kimpembe, on va faire mettre Kimpembe sur le côté gauche, pourquoi pas. Ici, on va mettre Schaffer, les gars, c'est pas grave. Il doit aussi jouer de temps en temps, Kimpembe, Pepe, Schaffer. Busquets, on va aussi le faire souffler, les gars, hein, il fait quasi tous les matchs, c'est important qu'il souffle. On va faire ici rentrer à la place de Lo Celso, on va faire rentrer Nkunku. Je pense, ouais, Nkunku, je pense que ça peut être pas mal aussi. Puis il a besoin de temps de jeu aussi, donc voilà, c'est parfait. Nkunku, ensuite on va quand même laisser Rabiot, je pense. Mais on va laisser Rabiot. Ounas, on va le laisser. Dembélé, pareil. Augustin, on va le laisser. Et voilà, on va jouer avec ça. On va jouer avec ça sur ce match. On va laisser donc tous les joueurs se reposer, en tout cas les principaux. On va juste Mahrez, Dybala, Laporte, ouais, Verratti. On a de quoi faire si jamais on doit remplacer. Donc ouais, donc voilà, c'est parfait. On va peut-être juste faire entrer Rashford devant à la place d'Augustin, quand même assurer le coup parce que on est premier du championnat. Faut pas faire n'importe. Là, on doit surtout pas perdre. On faut espérer vraiment un faux pas de Monaco pour les distancer d'au moins un match de sécurité. C'est très très important. Allez, c'est parti. On va affronter Nantes. Nantes, je sais pas, ils sont classés combien de cette saison. Enfin, dans le jeu, hein, je parle. Je sais pas, c'est pas très très important. En tout cas ils sont pas dans les débuts de tableau, peut-être dans le milieu de tableau voire la fin, je sais pas. En tout cas nous il nous faut une victoire quoi qu'il arrive, et c'est ce qu'on est venu chercher, la victoire. Et faut s'en tenir à ça parce que ça peut aller très très vite hein. Vous vous souvenez l'année dernière, Monaco premier, nous deuxième, après nous premier, deuxième, etc. Ça s'inversait constamment et à la fin c'est eux qui sont passés, tout simplement parce qu'on n'a pas su prendre les points d'avance quand il le fallait. On espère aussi qu'on va pas se faire payer sur les simulations de match hein les gars, voire même je pense que peut-être que je vais jouer tous les matchs pour être sûr de pas avoir un faux pas, etc. À voir. Donc allez, c'est parti pour le match face à Nantes. On va devoir maîtriser ce match hein. On rappelle qu'on a une défense, Kimpembe sur la gauche, c'est pas du tout son poste. Donc ça va être va falloir faire attention. Regardez, ils se montrent déjà dangereux. Oh là là, à côté. De Gea heureusement avait bien vu, mais je pense qu'il était battu. T'es battu, allez, c'est bien ce qu'il fait. Riyad Mahrez, allez, le centre Rashford dans les airs, non. Oh, allez, c'est récupéré. On la remet pour Dembélé. Dembélé, ça joue vite vers Rashford. Rashford qui se replace. Rashford, côté opposé, le but. Oh là là, la frappe est magnifique. 1-0, but de Rashford à la 50e minute. Ah là 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 là. Rashford, très très bonne protection de balle. C'est pour ça qu'on l'utilise en pivot quand Dybala est là. Boum, côté opposé. Bien, 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 bien. Nickel. 1-0 pour Paris, les gars.
dans la maîtrise. Hein, dans la maîtrise, on se précipite pas. On rappelle que on a pas mal de joueurs en réserve sur le banc. Mais bien sûr, le but, c'est de pas les utiliser pour bien les reposer face à Villarreal. L'expérience de Pepe fait plaisir. C'est pour ça qu'on l'a recruté, comme j'ai dit. Pour 14 millions, c'est donné pour moi, pour un joueur comme Pepe, pour dépanner, pour faire souffler Bonucci, Laporte, etc. Allez, faut la remettre vite. Non, on s'est fait prendre de vitesse sur ce coup. Allez. Par Ikoné, il a de la vitesse normalement. Ikoné, il a de la vitesse, mais pourquoi pas changer d'aile? C'est bien ce qu'il fait. C'est récupéré, c'est directement remis pour. Oh là là, dommage. Oh là là, dommage. Allez, allez. Ah là, c'est tranquillement remis par Schaffer pour De Gea. Et voilà la victoire 1-0 face à Nantes avec une petite équipe amoindrie mais qui tient bien bien la baraque. Donc ben voilà, il n'y a rien à dire. On se retrouve pour le prochain match. Donc match retour les gars de LDC, 8ème de finale face à Villarreal. Donc c'est parti les gars avec un 4-2-4 hein. Donc les joueurs ont bien bien soufflé, ils sont bien rechargés. Donc on va partir sur un 4-2-4 toujours pour revoir si cette compo fonctionne bien. Normalement c'est le cas, on avait fait vraiment pas mal de bonnes choses quand on a affronté les dernières équipes avec ce système. On espère que ça va être pareil. On risque de faire souffler les joueurs aussi hein. On a besoin de les reposer. C'est vraiment la fin de saison, faut vraiment bien bien la maîtriser les gars, c'est important. Pas refaire comme la saison dernière. Donc là on va partir sur un 4-2-4. On espère scorer assez rapidement, mettre un 2, petit 0 avant la fin de la mi-temps. Ensuite je sais qu'on a déjà, je sais plus on avait gagné combien au match aller les gars. Ça fait un petit moment que j'avais enregistré ça, quelques jours voire une petite semaine. Donc je me souviens plus trop. Ouais non, on avait juste un 0 il me semble hein. Ouais, un 0 c'est tout. Donc je pensais qu'on avait plus. Je sais plus c'est contre quelle équipe. On a juste un 0. Donc va falloir vraiment faire très très attention les gars. Allez, c'est parti pour le match. Un 4-2-4. Très très important de bien jouer, bien économiser les joueurs. On rappelle qu'il y a un gros travail des ailiers à faire, aussi bien les attaquants que les défenseurs. En tout cas, le pressing est toujours aussi bon avec ce système. Attention. Villarreal joue très très bien. Voilà, on empêche. Allez, Busquets. Oh là là, oh là là, oh là là, on s'est mangé. Oh là là, oh là là, oh là là. Le but de Villarreal à la 68e minute. Oh là là, on a dit qu'il fallait faire attention. Ils l'ont mise. Ah, ah, les gars, on passe plus, les gars. On passe plus, il faut vraiment pas se laisser avoir, les gars, sur ce genre de match. Oh là 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 là. Faut remonter, les gars, faut pas perdre de temps. À là-bas. À la balle devant, la petite passe en profondeur. Race. Non, 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 il y a faute. Il y a faute, ça c'est bien. Petite faute, un très très bon coup franc. Un très très bon coup franc. Allez. 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 Ah là là, c'est dommage. C'est dommage, c'est dommage. Bonucci. Bonucci, c'est bien. Bonucci, allez, part. Rashford qui part. Rashford qui part. C'est bien. Riyad Mahrez. Riyad Mahrez, la petite vitesse. Allez, Rashford qui demande le ballon. Il est seul. Il est seul, yes. Les gars, on rattrape à la dernière minute. But de Rashford. D'égalisation sur ce match. Et on passe devant. Total 2-1. Oh là là, Rashford. Très, très bien ce qu'il nous fait. Il l'a très, très bien mis au dernier moment pour Riyad Mahrez qui a pu prendre la vitesse et centrer. Qui est venu se replacer. Rashford et qui bombarde. Oh, une petite volée. Une petite volée qui fait plaisir. 1-1. Ça fait plaisir. On continue comme ça. On va passer en mode défensif, les gars. Un système qui est pas mal. Hein. On a un peu douté là, un moment face à Villarreal. Mais bon, c'est comme ça. On ne peut pas toujours tout maîtriser. Faire attention. Défense de malade, les gars. On revient. On revient s'il faut. Et voilà, on remporte le match. Donc, victoire. Enfin, match nul, les gars. Donc, au total, on passe. Donc, on passe en quart de finale de LDC. C'est pas mal du tout. Déjà, si on arrive au demi, ça sera excellent. Donc, plus que les quarts, hein, au moins gagné. Si on remporte le championnat, qu'on fait les demi, les gars. Je dis que c'est déjà pas mal du tout par rapport à la saison dernière. Et pourquoi pas pour la troisième saison remporter ça. Donc on va un peu voir les gars le tableau. Donc Bayern, Manchester City. Bayern a écrasé Manchester, donc il passe en quart. Il y aura un petit Bayern, Milan, c'est du premier côté. Il y aura un petit Naples, non même pas, Fenerbahçe, FC Barcelone.
Et nous, on va affronter les gars, le Real en carole. Là, ça va être hyper, hyper, hyper chaud. Et de l'autre côté, il y aura Manchester face à Liverpool. Ouais, donc le Real, on a un gros morceau. Hein. On a un gros morceau en quart, les gars. Donc, il va falloir bien, bien se préparer. Je pense qu'un 4-2-4 face au Real, ça va pas le faire. Il faut vraiment renforcer le milieu. Donc, je partirai plutôt sur un 4-1-4-1. Donc, à voir quand même. Mais on va réfléchir à tout ça. En tout cas, nous, on se retrouve pour la suite, les gars. Monaco, je crois qu'il a fait un nul. Donc, on est devant eux avec 3 points d'avance. Donc ça, c'est très positif. Tout est bon pour l'instant. On se retrouve pour la suite. Donc, match face à Dijon après la victoire au retour des 8e de LDC. Donc, c'est parti, les gars, avec une petite équipe de jeunes. Comme d'hab, là, même que d'habitude, sauf qu'on a ses blessés. Donc, on a procédé à un petit changement de dispositif. Toujours un 4-4-2, mais cette fois-ci en losange. On va voir ce que ça donne. Je vous montre l'équipe. Donc, Kimpembe sur la gauche. Laporte, Marquinhos au milieu. Aurier à la droite. On a laissé par contre De Gea, les gars, parce qu'il faut quand même assurer. Faut pas jouer. On est premier. On devance Monaco. Donc, là, faut garder l'avance, les gars. Rabiot, Nkunku, Dembélé. Un petit milieu à 3, Lo Celso derrière Augustin Rashford. Et c'est parti, on va aller tester ça directement, voir ce que ça donne. Normalement, le 4-4-2, les gars, est pas mal avec l'équipe de jeunes. Maintenant, on va voir si l'absence d'Ounas fait la... enfin, change quelque chose ou pas. On va voir également si le dispositif tout simplement était pour quelque chose. Parce que avec le 4-4-2 à plat, l'équipe de jeunes avait vraiment fait du sale. Mais bon, est-ce que c'était vraiment... c'était vraiment dû au schéma ou pas? Ou est-ce que... enfin, à voir. On va voir. Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Donc là, on va voir ce que ça donne avec ce petit 4-4 dans losange. L'absence de Ounas, certes, est pas très, très positive pour cette équipe de jeunes parce qu'il a porté beaucoup sur le côté gauche. La vitesse, la percussion. Mais ça peut aller vite aussi autrement. Allez, bombarde Augusta qui frappe directement. L'arrêt 2. Allez, en tout cas, on voit qu'on progresse vite, ça c'est bien. On n'a pas mis d'instructions, les gars, pour l'instant, pour les joueurs. Hein. On a fait du classique, on a laissé les instructions type du 4-4 dans losange. Et on va voir ce que ça donne et par la suite, on changera. Bonne récupération de Serge Aurier. Serge Aurier, attention, il se fait prendre la balle. La porte pour Kimpembe. Kimpembe au milieu de terrain pour Dembélé. Dembélé s'est remis vers... je sais pas c'était qui. Dembélé qui décale sur le côté droit. Allez, Serge Aurier pour... oh là là, Rashford, qu'est-ce qu'il nous fait sur ce coup? Yes, le but. Oh là là, le bug. Oh là là, l'erreur du défenseur qui s'attendait pas à ce tac. But de Rashford. Oh, on a dit qu'il en mettrait s'il continue comme ça. Il a la dalle à chaque fois, Rashford. C'est bien ce qu'il fait. Par contre, là, un petit bug. Bon, le but n'est pas super mérité, mais en même temps, ouais, si, si. Il a voulu attendre. Il s'est fait piéger 1-0. Pas le plus beau but, loin de là les gars, mais bon, c'est un but quand même, on prend. On va pas cracher dessus à quelques mois d'après de la Liga. Et là, on va leur mettre un beau but, les gars. On va leur mettre un beau but. Rashford. Oh non, 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 non. Il fallait qu'elle redescende une petite volée, ça aurait été beau. Mais bon, il a préféré tenter de la tête, Rashford. C'est pas grave. Rabiot. Allez. Oh là là, la passe est mauvaise. Attention, on récupère, c'est bien. Petite passe en l'air. Rashford est parti, les gars. Rashford est parti. Ah là 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 là. Allez, le pressing. Ah là 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 là. C'est bien, on récupère. Pourquoi pas en mettre un dernier, les gars? Pourquoi pas en mettre un dernier? Non, non, non. L'offensive s'arrête là. 1-0, les gars. Victoire méritée de cette petite équipe de jeunes. Pour le 4-4-2 en losange, c'est pas mal. C'est pas mal, on va voir avec tes instructions. Mais le 4-4-2 à plat me plaît peut-être un peu plus. Mais bon, après, je sais pas. Je sais pas encore. Je pense qu'on va rester sur ça pour l'instant. Et voir légèrement une petite modification après au niveau des instructions. En tout cas, les gars, on est à 5 points de Paris. De Monaco, pardon, deuxième, et de Nice, troisième, avec 58 points tous les deux. Marseille, Lorient, un peu quand même pas mal derrière, presque 10 points d'avance. Donc ça, c'est pas mal. On espère un faux pas de Monaco sur le prochain match et de Nice ou un nul des deux équipes pour encore les distancer davantage. Donc moi, je vais aller modifier l'équipe de jeunes et on se retrouve pour ça.
De retour pour le match face à Guingamp, les gars. Donc, je voulais simuler, mais je dis quoi, on va pas prendre le risque sur ce match-là. On a 5 points d'avance sur le deuxième, donc c'est le moment de consolider tout ça. Donc, c'est parti, les gars, pour affronter Guingamp. Toujours l'équipe de jeunes, mais une équipe de jeunes vraiment amoindrie. Pourquoi ? Parce qu'on va sortir Dembélé, Rabiot, Rashford. Donc voilà, Laporte, Marquinhos, ça. La simple et bonne raison, les gars, parce qu'en huitième de, en quart de finale, les gars, on va affronter pas le Real, mais le Bayern. Donc ça s'annonce chaud, donc faut vraiment faire souffler les joueurs, c'est le moment. Hein, ils ont besoin de souffler, ils ont besoin de se recharger tous les titulaires. Donc je vous présente l'équipe, les gars. Un 4-4-1-1, donc avec Augustin devant, En-Nesyri derrière. Ikoné, Nkoukou, Eblin, Edouard sur la ligne du milieu. Kimpembe sur la gauche, Pepe, Schaffer, Sabali et De Gea dans les cages. On garde juste De Gea, les gars, parce que bon, un gardien ne s'épuise pas forcément comme les joueurs. Enfin, ne s'épuise pas comme les joueurs. Donc lui, on le garde. On prend pas le risque de mettre Jara parce qu'il faut quand même pas jouer avec le feu. Sur le banc, on a Mahrez, Reus, tout ça. Donc au cas où, on fait rentrer. Pour pas perdre. Mais sinon, on laisse tout se reposer. Alaba est sorti. Bonucci, les gars, par contre, mauvaise nouvelle, est blessé. Donc, ça craint un peu. On est déçu parce que voilà. Bonucci, ça fait plusieurs fois qu'il se blesse. C'est pas normal. Mais bon, c'est comme ça. J'espère que c'est que pour quelques jours. J'ai pas pu vérifier. J'avais pas le temps. Je voulais enchaîner vite les épisodes. Enfin, les matchs pour finir l'épisode là. Donc ben voilà, voilà, équipe totalement nouvelle, les gars, inédite. On va voir ce que ça donne. Les jeunes, on sait que bon, là on a mis du Ebla 71, 70, Nkunku 71. Donc voilà, c'est faible, En-Nesyri 72. C'est clair que c'est pas les Dembélé, Ounas, Lo Celso, etc. Mais après, franchement, ils sont au PSG, ils s'entraînent avec des grands joueurs, donc ils peuvent faire la diff. Allez, Augustin qui est passé. Ah là là, dommage. Allez, De Gea qui la remet pour. Oh là là, l'erreur. Oh là là, l'erreur. Oh là 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 là, De Gea. Faut pas jouer avec le feu comme ça. Allez, Ikoné part. Allez, part un peu trop tardivement. Allez, c'est remis. Ikoné, place-toi. Part. Petite accélération, t'as de la vitesse. Voilà. C'est ce qu'on veut voir de toi. C'est ce qu'on veut voir de toi. La tête de En-Nesyri. Oh là 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 là, Youssef En-Nesyri, le but. Le 1-0. Magnifique ce qu'il nous a fait, Ikoné. But de Youssef En-Nesyri, ils ont premier avec le PSG. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Oh là 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 là. Nickel, nickel, nickel. Nickel, 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 les gars. 45e minute. Peu avant la fin de la première mi-temps. Ça, c'est positif. Très, très bien. Très, 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 très bien. Allez. Allez, allez. Et voilà, 1-0, la fin de cette première mi-temps. Donc c'est pas mal, les gars, malgré qu'on a des petits joueurs, ils se débrouillent très très bien. Hein, même il me semble pas que des fois, vous savez, sur des matchs, on faisait des nuls avec l'équipe titulaire. Donc ça prouve que les gars, c'est tout un accord. Ça sert pas de mettre juste des grands noms pour faire gagner une équipe. C'est un dispositif, c'est des instructions, c'est de la niaque, c'est tout. C'est tout, 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 les gars. Et là, les jeunes, franchement, très satisfait des jeunes. On a eu raison de miser les jeunes. C'est vrai qu'on a fait pas la première saison qu'on espérait, mais c'est peut-être pour faire une excellente deuxième saison avec de très très bons jeunes. Ah, la faute, il y a faute. Oh là là, En-Nesyri, il est bon. Il me semble que c'est En-Nesyri, pardon, je suis même pas sûr. Non, je crois pas. Finalement, je crois pas. Edouard, on va pas faire tirer Edouard. Donc on va faire tirer Youssef En-Nesyri. Non, c'était Nkunku, les gars. Nkunku qu'on veut tester. Allez, Nkunku, tu nous la mets. Allez, Nkunku, tu l'as, mais c'est ta chance. C'est ta chance. Non, c'est trop sur le gardien. Mais c'est bien tenté. Au moins, tu la cadres mieux que ton prédécesseur sur ce coup. Les gars, on revient s'il faut. Kimpembe. C'est pour Schaffer. Schaffer. Tranquillement au milieu. Nkunku. Allez. Allez. Devant. Prends ta vitesse. Par Augustin. Ah, dommage. Dommage, dommage, fin du match, les gars, victoire 1-0 avec cette petite équipe. C'est bien, on fait souffler les titulaires. Donc là, les gars, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller on va faire jouer la même équipe encore une fois, mais en match de simulation. Après, j'ai vraiment peur de me faire piéger, je vous avoue. Comme ça, on peut ensuite affronter le Bayern. Mais bon, c'est un peu risqué quand même. Est-ce qu'on prend le risque ou pas, je sais pas. Je vais réfléchir, on se retrouve pour ça. Bon, de retour pour le match face à Bastia. Donc j'ai hésité à simuler ou pas, mais on va simuler donc comme prévu. Mais par contre, les gars, avec une équipe un peu différente. Donc le 4-4-2 de base, équipe de jeunes, sauf qu'on remet derrière Alaba, Marquinhos, Pepe. On laisse Sabali, De Gea devant. Sinon, du milieu, c'est Lo Celso, Rabiot, Dembélé, Koné au milieu, Rashford, Augustin devant. Donc avec cette petite équipe, on stresse déjà moins que l'autre sur une simulation de match. Et c'est parti, on simule ça. Remplacer automatiquement le joueur indisponible pour ce match uniquement. Yes, yes, yes.
essayer, on va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. On espère vraiment, vraiment un faux pas et pas se faire manger la carotte. J'espère que ça passe. Allez, 1-1. Ouais, le nul. Ah là là là, ça me fait chier parce que les matchs sur simulation, on s'est mangé pas mal de carottes sur les matchs de simulation. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Regardez les gars, 3 jours, on va affronter le Bayern, donc c'est un peu chaud. Mais on n'a pas le choix. Donc là, faut mettre nos meilleurs éléments. Je vais aller modifier ça et on se retrouve. On se retrouve pour ça tout simplement. Donc de retour les gars pour ce quart de finale face au Bayern, ça va être très 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 chaud. Mais bon, on a préparé une petite équipe. Petite équipe assez solide que je vais vous montrer directement. Avec des instructions qui devraient gêner bien comme il faut le Bayern. Mais on va voir parce que le Bayern c'est toujours difficile de les battre. Bayern, Barça, Bayern, Barça et Real, c'est toutes les trois meilleures équipes de toute façon ces dernières années. Donc voilà les gars, nous on va partir avec le maillot classique. On va leur laisser aussi on va dire le maillot blanc pour bien différencier. Et je vous montre l'équipe les gars. Donc j'ai préféré jouer sur la sécurité avec un 4-1-4-1. Donc voilà, à la balle à porte Marquinhos, Aurier, Bonucci est blessé, c'est dommage mais bon, c'est comme ça. Busquets, Rabiot, Verratti pour le milieu. Busquets, on lui a mis vraiment un pressing strict et un marquage strict pardon et individuel. Donc ça a fait la diff sur plusieurs fois sur cette instruction là. Reus, Mahrez de côté, Dybala seul devant à prendre les défenseurs dans le dos de la défense. Voilà son rôle et c'est ce qu'il fait très très bien. On va voir tout de suite face au Bayern, c'est un gros test les gars dans la fin de cette saison. On rappelle qu'on est en quart de finale de LDC les gars. L'objectif qu'on s'est fixé normalement, je crois que c'est demi-finale les gars par le club. Nous on aimerait bien faire au moins les demi-finales. Et même si on aimerait vraiment le remporter, mais on se dit que déjà si on arrive au demi et qu'on gagne le championnat, on aura fait une très bonne saison les gars. Parce que voilà, demi de LDC, c'est pas mal du tout, sachant qu'on a une équipe en reconstruction. Donc c'est pas facile, c'est pas facile. Et le mercato prochain les gars, je vais sûrement faire une petite vidéo avant d'entamer la saison numéro 3 avec une liste de joueurs. Et c'est vous qui choisirez dans les commentaires les joueurs que vous voulez en renfort. Et on verra ça. En tout cas on espère une belle rencontre. Et c'est parti pour commencer ça. Allez, à là-bas Rabiot, attention. Oh là là, à là-bas, gros travail, un ancien du Bayern. Allez, directement, le but de Riyad Mahrez, les gars, le 1-0 face au Bayern. Oh là là, ça fait plaisir. Yes, les gars, l'instruction qu'on lui a mis, les gars, c'était dans le dos de la défense également. Et un joueur libre et offensif. Voilà, il pouvait repiquer au centre et c'est ce qu'il fait à merveille. On regrette vraiment pas de lui avoir mis ça. Par contre, Reus, on lui a mis de rester au large. Donc voilà, pour centrer, quand Riyad Mahrez se décalera et repiquera au centre et qu'il y aura Dybala dans le dos de la défense, ça peut faire mal. Ne toujours pas, moi je conseille à tout le monde de ne pas mettre les mêmes instructions aux joueurs du même poste, c'est-à-dire l'ailier gauche, l'ailier droit. Différencier le MCD du MCG avec des instructions différentes, ça permet d'équilibrer tout ça. Et voilà, c'est ce que je vous conseille. En tout cas, moi ça marche bien. Pour l'instant, attention à ne pas se porter l'œil. Allez. Alors on récupère, c'est bien. Rabiot directement pour Verratti qui remet ça pour Rabiot. Allez, ça part là. Ça part, c'est qui? C'est Reus. Reus qui repique au centre. Normalement, c'est pas son truc. Il va frapper. Oh, ça passe à côté. Pas mal du tout de la part de Reus. 24e minute, 1-0. On leur fait mal pour l'instant. Oh là là, ça joue bien. Faut faire attention. Oh là là, c'est chaud. C'est chaud les gars. C'est chaud. Attention le très bon décalage. Aïe, ça passe à côté les gars. L'égalisation presque de la part de Douglas Costa. Ça aurait pu être mérité parce que l'action était très très belle. On n'a rien vu. Hein. Ils sont décalés d'une très très belle manière. Allez, 87e minute. Si on la met, c'est balle de match. Oh, il récupère ça très très bien. Oh là là, contrôle de la poitrine. Attention, on dégage ça loin devant, c'est ce qu'il fallait faire. Dybala récupère là de la tête, non? Attention. Voilà, la récupération. Oh là là, il nous inquiète. Oh là là, on fait attention. Et le but, l'égalisation dans les dernières minutes du Bayern. Oh là là, but de Müller, il me semble. But de Müller, on le sentait venir, les gars. On aurait dû défendre. On aurait dû défendre beaucoup plus. Mais bon, c'est pas grave. Ah là là, 1-0. Enfin, 1-1, pardon. Dans les dernières minutes, c'est dommage, les gars. Ah, je suis dégoûté, mais bon, c'est comme ça. C'est qu'il méritait d'égaliser. C'est vrai qu'il nous foutait une sacrée pression, les gars. Mais c'est pas grave. 1-1 au Bayern, c'est un bon résultat.
C'est un très bon résultat. Enfin, un très bon résultat. C'est un bon résultat, on va dire. On va rester non plus, voilà, normal. Et c'est pas grave, on se retrouve pour la suite. Championnat, les gars, on a 4 points, 3 points d'avance tout pile sur Monaco. Donc, c'est assez chaud, ça, par contre. Donc, voilà, va pas falloir se louper face à Montpellier. Nous, on se retrouve pour ça. On va aller un peu voir ce que les joueurs donnent niveau fatigue. Et on se retrouve pour le match face à Montpellier. Donc les gars, je voulais jouer le match face à Montpellier, mais juste après ça, on affronte le Bayern. Donc on va simuler, les gars, j'ai préparé la petite équipe de jeunes, mais pas l'équipe de jeunes la plus faible. La haute équipe de jeunes, on va dire. Donc petit carton rouge d'Alaba sur le match précédent. Mais bon, c'est pas grave. Donc on va simuler le match, les gars. On espère vraiment pas se faire manger une carotte encore une fois. Parce que là, on est juste à 3 points de Monaco. C'est un peu chaud. Si on se mange une carotte, c'est chaud. On va pas faire durer le suspense plus longtemps. On passe directement. Victoire 2-0, c'est pas mal. Rashford, Dembélé, les deux buteurs. Les gars, Rashford est monté à 84 à 20 ans. C'est juste énorme. Donc voilà, je vous le conseille vraiment en mode carrière. C'est vraiment du lourd. Rashford, regardez, il a pris 62% de valeur. Plus de le double de ce qu'il vaut. Il a que 20 ans, à 25 ans. Je pense qu'on peut le revendre à 200 millions, limite plus que Messi, Ronaldo. Donc voilà, les gars, moi je vais aller préparer l'équipe. On se retrouve face au Bayern pour le match retour des quarts de finale. Très très chaud, ça s'annonce. Mais on peut le faire et on va essayer de le faire. Donc les gars, on se retrouve pour bel match retour face au Bayern. Donc comme prévu, ça sera également le dernier match de cet épisode, les gars. Et c'est parti. C'est parti, les gars, avec toujours le 4-1-4-1 au propre pas de risque. On avait bien maîtrisé le début. Par contre, on a vu que sur la fin, on s'était fait prendre par le Bayern, tout simplement. Donc il nous manquait un joueur défensif qui pouvait venir défendre un peu plus que ce qu'on a fait. Et c'est pour ça que j'ai décidé, les gars, de faire jouer Mahrez en MCD. Et faire entrer Dembélé sur la droite et faire sortir Rabiot. Rabiot qu'on utilisera vers la 60e minute pour vraiment défendre à fond un bloc si on maîtrise le match avant. Et sinon, on jouera un joueur offensif, Lo Celso. Donc voilà l'optique dans laquelle je suis. Maintenant, j'espère qu'on va gagner parce que vraiment, atteindre les demi, ça serait vraiment, vraiment le top sur cette saison-là. Surtout qu'au championnat, on est bien classé pour le moment. Donc voilà, tout simplement, il faut vraiment gagner. Mais ça va être chaud. Franchement, beaucoup de concentration, les gars, parce que Bayern, à la fin du dernier match, vraiment, ils m'ont étouffé. Je sentais que ça allait craquer, même si on avait pu... Puis on aurait pu mettre le 2-0, mais c'était vraiment très chaud. Donc là, il va falloir vraiment jouer... Jouer bien comme il se doit, de la meilleure façon possible. Les deux joueurs à suivre, Riyad Mahrez, Lewandowski, très très beau duel. Très très beau duel, enfin c'est pas un duel mais voilà, ça va être les deux joueurs à suivre. Ça va être assez chaud et on va voir ce que ça donne. Lewandowski qui, je sais plus si c'est lui qui a marqué ou pas sur le dernier but, sur le dernier match pardon. On laisse ça, on laisse la cinématique. À là-bas. Oh là là. Verratti, Reus, le manager. Et c'est parti, les gars, on lance ça. On lance ça, allez, c'est sérieux, les gars. Quart de finale, les gars, face au Bayern. Ça va être chaud, on ne s'épuise pas, on se concentre. On se concentre, on attend un très très gros match. Hein. On a dit le match face au Bayern, ça serait un match vraiment test sur cette fin de saison. Voir ce que l'équipe vaut maintenant, qui a engrangé de l'expérience, c'est ça. Oh là là, oh là là, il tente directement. C'est bien, nous on ne jette pas. Hein. Nous on va pas jeter, les gars, face à ce Bayern. On va pas presser, enfin si on va presser, mais on va pas s'épuiser parce qu'on a vu que la fatigue ça jouait beaucoup. Hein, on a pu le voir. Donc voilà, pas commettre les mêmes erreurs. Faut apprendre de ses erreurs et corriger ça. Kadmarès pour Busquets. Là-bas, on la remet vers Dembélé. La belle passe, c'est bien. Aurier, Dembélé. Voilà. Allez. Allez. Dybala. Kadmarès. Dembélé. Oh là là, on s'est fait prendre la balle. Attention. Attention à trop vouloir garder le ballon. Ça peut être dangereux. Allez, on laisse pas. On laisse pas, c'est pas le moment. Le tacle c'est bien. Oh là là, normalement y a rien. On a juste voulu tacler. On n'a pas voulu faire mal. Voilà, y a rien, c'est bien. Petit avertissement, c'est pas bien grave. Attention Sergio Busquets, qui... Ouais non, normalement y a rien. Il intercepte le ballon. Je comprends pas. Il veut juste intercepter le ballon, il touche même pas. Il se met devant, après c'est l'autre joueur, il va pas le laisser passer. Allez, là-bas, c'est qui? C'est qui est parti?
Ah là là, dommage. C'était Verratti. Bon, Verratti, c'est pas le plus rapide, mais c'est l'un des plus techniques. Donc voilà, chacun ses atouts. Allez, Verratti. Oh là là, dommage. On allait faire partir Dembélé sur le côté droit. Qui revient défendre, c'est bien. Il essaye de confisquer le ballon, le Bayern. Là. Mais attention, ils vont se faire prendre dans leur propre jeu s'ils continuent comme ça. Allez. Fin de la première mi-temps. 0 à 0, match très très équilibré. Personne ne se jette trop. Donc pour l'instant, c'est du 50-50, les gars. Honnêtement, c'est du 50-50. On domine pas, ils dominent pas. Ils auront peut-être la possession, mais il n'y a rien. C'est la possession dans leur camp. Donc ça ne sert à pas grand-chose, on va dire. Allez, est-ce qu'il doit partir? Non, il la remet tranquillement là-bas. Verratti. Reus, le petit jeu en triangle. Allez, Verratti qui part, c'est bien. Verratti peut impressionner de loin. Verratti peut impressionner de loin. Oh là là, la dynamite qui nous a mis. S'arrêter par Ruffier. Allez, dans les airs. Faut pas se laisser avoir. Riyad Mahrez un peu trop. Pas assez dur dans le pressing là, malheureusement. Oh là là, ça joue bien. Attention là-bas. Déchet à l'arrêt, c'est bien. Il la remet pour Reus. Reus qui est parti contre la poitrine. Allez, il va décaler. Là-bas, il a pour récupérer. Reus qui récupère. Allez, là-bas, c'est qui demande le ballon? Il est parti. C'est qui est parti? Oh là, ça va y aller. Petite fin de frappe, non? Il revient. C'est bien, il revient. Le centre. Il n'y a personne. Il n'y a personne, malheureusement. Ah là là. Attention. C'est bien. Riyad Mahrez. Mène l'offensive. Non, hein, moi, tu sais faire mieux que ça. 89e minute, je pense qu'on va tenter le tout pour le tout. Non. Oh, ouais, non. J'avais envie de tenter une attaque de folie, mais je le sens pas. Donc, on reste sur ça. Quitte à faire un nul. Attention, ils l'ont mis dans les dernières minutes la dernière fois. Faut pas laisser se reproduire. De Gea. Le contre, pourquoi pas. Mené par Reus. Non. Ah là là, c'est chaud. C'est vraiment du serré, les gars. Va falloir procéder très intelligemment. Qu'est-ce qui se passe? Match nul, c'est pas normal. Troisième match, je sais pas ce qui se passe. Ah, j'ai pas compris là, les gars. Attendez, Ligue des Champions. Donc 1-1, Real Liverpool. Bayern 1-1. Ouais, comment que ça va jouer maintenant? Je sais pas trop, j'ai pas compris. J'ai vraiment pas compris là ce qui allait se passer. Normalement, on aurait dû faire les prolongations. Attendez, on va aller voir ça dans le calendrier parce que c'est pas clair tout ça. Pas clair du tout. Donc, calendrier, qu'est-ce qui se passe? Donc, avril, mai, qu'est-ce qui se passe? On est éliminé? J'ai pas compris. Bon, écoutez, j'ai pas compris. C'est pas bien grave. On verra par la suite, les gars. C'est dommage. On n'a pas compris ce qui se passait. Normalement, il aurait dû avoir les prolongations. Donc, nous, les gars, on se retrouvera pour un prochain épisode pour un classico face à l'OM. Donc, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais vous laisser le principal des matchs face au. Enfin, vous aurez déjà vu ça. Normalement, je vous aurais laissé les principales des matchs face au Bayern. Donc, voilà, les gars. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait. Un petit pouce bleu, la famille, je compte sur vous pour soutenir, pour ceux à qui ça plaît. On se dit à la prochaine. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de l'épisode, des choix, etc. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à les donner comme d'habitude, la famille. On se dit à la prochaine. C'était BRH. Allez, ciao.